maison de Dieu, porte de la maison éternelle, la communauté t'y attend pour te porter dans sa prière. Thank you.
Pierre est né le 25 janvier 1961 au Poiré-sur-Vie, le troisième enfant d'une fratrie de cinq. Pierre fait le début de sa scolarité au Poiré-sur-Vie. Il a grandi dans une famille croyante et pratiquante. Chaque jour, la prière rassemblait la famille pour un temps de communion avant le souper. Son frère aîné ayant annoncé qu'il souhaitait l'entreprise familiale de mécanique, tu annonces ça, je serai le prêtre. Jeune garçon, tu étais déjà actif dans la vie de la paroisse en tant qu'enfant de cœur. Poursuivant ton souhait de t'engager dans l'église, à 11 ans, tu étais heureux d'être accepté au petit séminaire à Saint-Laurent-sur-Cère. Cela dura 2 ans. Puis, tu poursuivis au petit séminaire de Charbage-Vallée durant 5 ans. Tu obtins là le bac à philo. Un de tes enseignants voulait être missionnaire, mais sa santé ne lui permit pas. De cette rencontre, te tint le soutien, le souhait d'être missionnaire. À 18 ans, tu rejoignis le grand séminaire pendant 2 ans à Luçon. À la suite de toi, tu fis ton service militaire. Avant de rejoindre les missions étrangères, on te demanda d'enseigner un an au Sable d'Olonne l'histoire et la géographie. Tu rejoins les missions étrangères durant un an à Paris pour étudier la théologie. Tu poursuivis 2 ans durant 3 ans à Rome, à la Gregorian University, où tu passas une licence de théologie. Tu fus ordonné prêtre le 2 avril 1956, à 25 ans. 5 mois plus tard, tu fis ton premier baptême à ton neveu. Le 1er octobre 1957, à 26 ans, tu quittes la France pour partir en Allemagne. À cette époque, des prêtres missionnaires sont envoyés en Asie, à Vienne, sans faire de choix sur la destination. Après 3 semaines de voyage en Allemagne, tu arrives à Saint-Saëns, puis en voiture, tu pars bien, non bien en Saint-Saëns. Tu arrives à Guadeloupe en octobre 1957. Tu arrives dans un pays sous les la Malaisie venait de donner son indépendance. Un drôle d'événement marqua ton voyage. Ton compagnon de cabine, partant en mission à Singapour, mourut durant la traversée. Je sais que vous avez négocié avec le capitaine pour garder le corps et lui faire un digne adieu sur la surface. Tu as été à la sursaut de l'accueil chargé par le cimetière professionnel. Ils étaient là avec les mecs et tous lui firent une belle saison. Tu parlais couramment le français, le latin, le grec, l'italien et l'allemand, mais pas un mot d'anglais, ni de malais. Tu commences donc par apprendre l'anglais pendant 1 an. Le malais, tu l'as pris au quotidien. Puis ton évêque te demanda de partir en Inde pour apprendre le tamoul. Les Indiens tamouls représentaient la grande majorité des catholiques du pays. Au
bout de 18 mois, il te rappellera pour remplacer un prêtre malade à Kuala Lumpur. Un peu plus tard, tu apprendras aussi le Bahasa, durant 3 mois en Indonésie. Tu nous disais qu'il fallait au moins 2 à 3 ans pour s'imprégner de la langue et de la culture locale. 8 ans après ton départ en Malaisie, tu peux rentrer en France, dans ta maison natale, pour quelques mois de congé. Durant ce séjour en France, ton évêque te rappela pour participer aux dernières sessions de Vatican II. Puis, il te demanda de prolonger ton séjour en France pour faire des conférences sur ta mission en Malaisie et sur Vatican II. Tu as pu ainsi passer 1 an en France et accompagner ton père qui s'est éveillé suite à un cancer. Pierre eut la responsabilité d'une dizaine de paroisses en Malaisie. Il resta sur Kuala Lumpur de ses enseignements, puis 10 ans à Serrancourt, de 67 à 77, où il y avait une importante communauté tamoule, puis à Tampin, de 77 à 87. Ton idée de missionnaire était large, et ta croyance religieuse se concrétisait dans ton quotidien. Tu fis un travail social important pour aider la population tamoule qui correspondait au groupe social profond du pays. Tu as fait en sorte de développer la scolarité chez les enfants, la formation pour les jeunes et améliorer les conditions de travail pour les parents. Le gouvernement s'intéressa à ce que tu fis. Tu les associas, puis ils te demandèrent d'élargir ton programme aux autres populations. Ton engagement était fort. Si la liberté de culte était totale pour les Chinois et les Tamouls, ce n'était pas le cas pour les Malais. Lorsque la fille d'un sultan te demanda le baptême, tu y répondis. Ce même sultan t'avait pourtant interdit. Tu recevais des menaces de mort. Ta bonne étoile t'a protégé, ce n'était pas le cas de tous. Tu as travaillé au dialogue entre les religions. Musulmans, taoïstes, hindouistes, sikhs, chrétiens et bouddhistes, tu y as travaillé de différentes façons. Il y a eu des rencontres, des échanges et de l'entraide. Le respect humain pour toi devait être plus fort que les divergences de croyances. Alors que tu avais réussi à avoir un bâtiment pour rassembler les catholiques, les offices, tu prêtais ce même lieu de culte aux autres religions. Tu faisais un programme pour que chacun ait son temps. Lorsque la Malaisie reçut nombre de réfugiés ukrainiens, tu réussis à rentrer dans ses rangs, usant de subterfuges pour accompagner ces populations en détresse. Tu étais toujours très animé par le souhait de développer le catholicisme en Malaisie. Soucieux de participer à son renouvellement, tu as été acteur actif dans l'agglomération malaisienne. Lors d'un voyage en France en 1980, tu as connu une fondation à Poitiers. Tu as été saisi. Tu organisas et fus à l'origine de fondations en Malaisie. Depuis, la Malaisie Fondation rayonne en Asie. En 2002, le gouvernement français a reconnu ton action et t'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Tu te définissais comme un nouveau missionnaire. Les Malais nous font toujours référence à ton sourire, à ton entrain, à ta vitalité. Lorsqu'un journaliste demanda comment être heureux, tu répondis, vous devez toujours être prêt à entendre et à faire ce que Jésus entend de vous, attend de vous. Tu étais réputé pour tes étourderies, on en a rien, mais ces oublis sont devenus peu à peu de plus en plus importantes. Elles ont été source de malentendus, y compris en famille. Tu as dû en souffrir. Nous avons mis du temps de comprendre que ces oublis t'échappaient. Tu savais en rire de toi-même, et ceci nous a troublés. Nous avons peu à peu compris qu'il correspondait à une lente dégradation qui a évolué sur des années. Tu rentres en France en juin 2014, quand la même affaire
suis arrivé en même temps que lui, au Landreau, il y a 6 ans, à peu près. Et j'ai participé, j'ai partagé les repas pendant une année ou deux avec lui, et j'ai entendu battre son cœur pour la Malaisie, parce qu'il était encore, bien sûr qu'il était à un moment de passage au niveau de sa santé un peu difficile, mais il était à un moment où encore, il était très très, la Malaisie lui était très très stressé. Donc j'ai été marqué, je vous dis tout de suite, parce qu'il y a un évêque, le Monseigneur Julien, je ne sais pas si vous connaissez, qui est passé un jour, je crois que l'un de vous était là, Jean-Pierre, Benoît, je ne sais pas. Donc il a passé un après-midi avec lui, tous les trois, à ce moment-là, il n'avait pas beaucoup d'expression déjà. Mais j'ai admiré la manière dont l'évêque, comment un évêque si loin, vient de passer beaucoup de temps. Et tout l'après-midi avec lui, il avait préparé un album qui relatait tous les endroits ou les événements principaux où Pierre était, là où il était passé, et aussi les événements qu'il avait marqués. Et Pierre, de temps en temps, il écarquillait les yeux et il souriait. Et j'ai beaucoup aimé cette phase-là, cet événement. Et puis alors, pour nous, les signes qui nous ont marqués, c'est le signe du sourire tout le temps. Sourire. Et puis, comme il connaissait certains d'entre nous,
Seigneur, nous te recommandons ton service prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour les hommes, pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses yeux. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première épître de saint Jean. Frères bien-aimés, parce que vous aimez vos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez que la vie éternelle ne demeure jamais dans un meurtrier. À ceci, nous avons reconnu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Thank you.
J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donné faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais né et nous t'avons amené. Tu étais malade en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à ce que nous Et le roi leur répondra. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Je me disais combien Pierre était ce bon et fidèle serviteur dont parle l'Évangile. Pierre était un merveilleux compagnon de route. Les confrères l'appelaient familièrement Petit Pierre. Cela exprimait toute la sympathie qu'ils avaient à son égard. Car Pierre était un homme simple, jovial, dynamique et enthousiaste. Un grand serviteur de l'Évangile, toujours disponible, ouvert et accueillant. Ce qui a été dit tout à l'heure dans la présentation nous le montre bien. Dans cette présentation de la vie de Pierre, au début de la célébration, il a été dit qu'il avait effectué une bonne partie de son apostolat dans le monde tartare, dont beaucoup travaillaient très dur dans les plantations de caoutchouc. Ces hommes et femmes étaient des descendants d'Indiens du sud-est de l'Inde, qui avaient été transportés en Malaisie du temps de la colonisation par les Britanniques, qui avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les plantations. Et ces gens vivaient souvent très pauvres. Pierre était très proche d'eux. Ils partageaient profondément leur joie et leurs préoccupations. Il était très affecté par les conditions souvent inhumaines dans lesquelles il travaillait et vivait. Il était réellement choqué de les voir ainsi traités. Alors il les a encouragés et aidés à s'organiser pour se défendre, à créer des associations pour pouvoir défendre leurs droits collectivement.
se défendre et à terre pour que ces gens puissent vivre debout et leur vie, leur famille dans la dignité, au moyen de salaires justes. Pierre était un bon pasteur qui, comme dit le pape François, avait l'odeur des brebis. Pierre aimait beaucoup sa famille et les gens du bois. Malgré la distance, il a toujours maintenu des liens profonds avec sa famille. Sa famille était pour lui comme un lieu de ressources. En avril 2006, il a tenu à venir célébrer ses 50 ans de sacerdoce au Poiré, au milieu de sa famille et de ses amis. Et le mois suivant, il a célébré à Kuala, car il avait aussi beaucoup la fête. Pierre avait aussi beaucoup d'humour. Je l'avais souligné aussi. Les gens avaient toujours beaucoup d'anecdotes à raconter à ce sujet, car il oubliait tout. Surtout durant les dernières années qu'il a passées en Malaisie. Il lui arrivait même d'oublier des célébrations, des mariages ou des enterrements. Il fallait lui rappeler sans arrêt les horaires et les événements qu'il devait présider. Alors évidemment, les gens étaient toujours... Oui, les gens étaient obligés de lui rappeler qu'il devait présider telle ou telle célébration. Cela faisait évidemment jaser. Les gens en riaient. Ils prenaient toujours cela du bon côté. Alors, petit Pierre, je suis sûr que le Seigneur t'accueille aussi avec beaucoup d'amour et d'humour auprès de lui en te disant: viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Viens partager le festin du royaume des cieux pour lequel tu as œuvré toute ta vie. Et merci Pierre pour tout ce que tu as été pour nous. Faisons monter vers le Seigneur notre prière, en commun sans doute avec la prière du petit Pierre. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, qu'ils trouvent maintenant près de toi le repos, la paix et la joie de vivre dans ta maison. Seigneur, entends la prière.
Il a grandi et appris la fraternité, le service et la communion. Il était notre tonton Pierre. Et nous prions pour ses parents, ses frères, ses sœurs. Que nos cœurs soient habités par ta présence et ton espérance. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions les hommes et les chrétiens que tonton Pierre a accompagnés au long de son ministère, particulièrement ses paroissiens à Kuala Lumpur en Malaisie. Il a été parmi eux la figure du Christ, prêtre et pasteur, qu'il soit guidé sur le chemin de la vérité et de la vie. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions ceux qui souffrent de la guerre, des injustices, de la misère, de la maladie, mais aussi tous ceux qui œuvrent pour un monde plus juste et plus fraternel, pour la maison du Landreau. Que le cœur des hommes et des femmes de notre temps soit transformé par ton amour et puisse vivre dans la solidarité, la justice et la paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions l'Église universelle, mais aussi les prêtres et les paroisses de notre diocèse. Que notre regard et nos cœurs s'ouvrent au monde entier et participent à l'annonce de l'Évangile, ici et là-bas. Seigneur, frères et sœurs, prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Pierre. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Thank you.
Souviens-toi aussi de tous nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton règne. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous nous assignons de cette paix que nous
servir par amour comme lui, comme le Seigneur, comme notre frère Pierre, comme beaucoup qui sont disciples du Christ. Seigneur, après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons en faveur de ta miséricorde, en faveur de ton serviteur Pierre. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous avons une intervention de mouvement fondation. Pierre, petit Pierre, nous sommes plusieurs à avoir eu la chance de te rencontrer en Malaisie et de travailler avec toi. Joël, Bernard, Michael, Christian et d'autres. Merci Pierre pour ton accueil là-bas. Tu as permis à Fondation de démarrer ses activités d'évangélisation auprès des jeunes dans les années 80. Tu nous as transmis la joie de l'Évangile. Tu restes pour nous un frère. Merci. Nous aussi, on l'a appelé Petit Pierre. Et en pensant à lui, nous avons retenu trois aspects qui nous ont touchés chez lui. L'humilité, la joie de vivre, et puis la communion. L'humilité, c'était vraiment une de ses qualités principales. Il était capable de se recevoir de chacun d'entre nous. Pourtant, il était pionnier, il était un peu notre père spirituel. La gaieté, la joie de vivre. Une petite anecdote, quand il conduisait, il avait tendance à regarder plus ses passagers que la route. Alors forcément, une fois ça a mal tourné, enfin il n'a pas pu tourner, il y avait un virage, et son van, puisqu'il transportait beaucoup de personnes avec son van, atterrit dans l'eau. Je crois qu'il y avait des collègues MEP qui étaient quand même assez stressés. Lui, il est sorti de son van, et il s'est mis à rigoler, à éclater. Voilà, ça c'était tout à fait typique. Et puis, un homme de communion. Ça a été dit tout à l'heure, il était capable de dialoguer avec toutes les personnes de Malaisie, et puis respectueux de toutes les sensibilités, ça nous a beaucoup marqué. Nous avons été très contents de pouvoir t'accompagner ces derniers jours. Nous avons eu de beaux échanges. C'était fort. Nous te remercions. Tu laisses derrière toi de belles choses. Ton sourire, ta générosité, ta bonne humeur, ton rire généreux. Nous avons souvenir de tes retours en France. Tous les 6 ans, c'était la fête. La famille se retrouvait autour d'une grande tablée, très animée. Les éclats de rire répondaient et résonnaient dans la pièce. Tu nous as ramené des photos de Malaisie alors que peu de foyers avaient la télé. Tu passais même les photos dans la salle paroissiale. Tout le monde au Poiré pouvait venir les voir. Tu faisais aussi des montages photos en musique. Nous découvrions, fascinés, des terres et des cultures qui nous étaient totalement étrangères. Tu nous ramenais des petits cadeaux du bout du monde qui, à nos yeux, prenaient l'allure de trésors. Tu invitais à passer à la maison des Malais de passage en France ou d'autres personnes que tu avais pu rencontrer en Malaisie. Pour nous, c'était une belle occasion d'ouverture culturelle. Plus tard, lorsque nous avons pu aller te voir, tu étais fier de nous montrer ton pays d'adoption. Tu
Tu nous vantais le développement que la Malaisie avait pu connaître. On sentait là un petit peu de fierté d'avoir participé à son développement. Maintenant qu'est venu le temps de la séparation, nous nous remémorons ce que tu nous disais lors du décès de ton frère. Ce n'est que l'enveloppe qui s'est éteinte. L'âme, ou la conscience, comme on veut bien l'appeler, poursuit son chemin de vie, son évolution. Aujourd'hui, c'est riche de ces paroles que nous te disons adieu. Nous tenons à remercier tous ici présents d'être venus partager avec nous cette revoir. Et puis nous remercions aussi des missions étrangères de Paris qui ont permis à tonton Pierrot de rester en Vendée, près de la famille, comme il le souhaitait, pour finir ses jours. Nous remercions aussi vivement le Landreau pour leurs bons soins et toute leur humanité dont ils ont fait preuve. Devez toujours être prêt à entendre et à faire.
Prions encore. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Nous te bénissons pour ce que nous avons reçu de toi en sa vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour. Nous t'en prions que tout ce qui était sain et grand pour lui soit respecté et promu par ceux qui continuent son œuvre. Que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bien. Nous remettons entre tes mains sa vie dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressuscitons pour être toujours avec lui et nous guérissons ici-bas. Donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ave Maria. Une messe du souvenir sera dite dans cette église. La date sera fixée ultérieurement. La famille vous invite à partager le verre de l'amitié à la salle paroissiale après l'inhumation. Nous pouvons maintenant avancer pour saluer une dernière fois Pierre et son corps et tout ce que nous avons dans le cœur, le portant près de lui, nous le faisons par le signe que nous voulons, mais sans toucher le cercueil à cause des conditions sanitaires actuelles. Mmh.
Le Seigneur